Bonjour. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Ça va être extrêmement triste ce qu'on va vivre en live. Ok. On va mettre de la musique. On va mettre de la musique triste. Sad Nintendo Music. Voilà. Parfait. Parfait. Je vais allumer la lumière quand même. Bon alors, nous allons écrire la lettre de rupture de Bambo. De Bambo. De Bambo. T'es en Lacoste. Je crois que c'est... Je crois que c'est Célio qui avait fait cette collection. Ouais, c'est Célio, je crois. Célio et Pokémon. Écoutez, les enfants, il est temps de quitter cet individu. Alors, on va faire un. Il faut qu'on fasse un petit roadmap. Parce que moi, je veux faire une vidéo. Je veux faire une vidéo. Donc, comment on s'organise pour faire une vidéo? Attends, je vais juste remettre ça. Voilà, ce sera plus confortable. Donc, de parfait. type acier. Merci Ah non, Amélie j'ai pour pas le la ref. savoir-faire. Ah oui, le son va être trop fort. Excusez-moi, j'avais oublié le son. Voilà, c'est bon. Ok. Tu peux remettre le contexte. C'est Bimbo le contexte. C'est le contexte, c'est Bimbo. Faut que je trouve le sprite. Attendez, je vais trouver Crash Feu. J'ai. Voilà. C'est ça. Nous allons quitter Bimbo en live. Parfait. Bon, alors, on va faire une roadmap. Donc d'abord, il faut écrire la lettre. Ensuite, il faut lire la lettre. Ensuite, il faut faire le débile à la caméra. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que, regardez, je vais écrire la lettre. Ensuite, je vais mettre ça en fond. Puis on va mettre ma tête dessus. Puis je vais mettre une tête en mode comme ça, un peu floutée. Puis on mettra des vieux... Des vieux fonds. Genre, ça fera comme ça, regardez. Genre. Et puis, il y aura une voix. Je mettrai une sorte d'écho sur ma voix. Et ça fera un truc genre. Bimbo. Je voulais te dire que. Depuis longtemps, j'essaye de te communiquer ceci. Tu vois, un truc comme ça. Je pense que ça va être. Je pense que ça va être bien. Faire le débile à la caméra, c'est pas inné pour toi. Si, un peu, hein, complètement. C'est qui Bimbo? C'est lui Bimbo. C'est le crache-feu. Bon, alors pour l'anecdote, c'est que. Ah bah voilà, il y a. Mais je vais l'écrire, je vais les dire avec mes mots. Mais en gros, quand j'étais. Dans le let's play sur HeartGold Soul Silver, genre moi, tu sais, on peut prendre les numéros, et je prenais que les numéros des mecs, des meufs. Et à un moment, sans faire exprès, j'ai pris le numéro d'un crache-feu. Et en fait, en prenant le numéro du crache-feu, j'avais pas noté son nom, mais en fait, son nom c'était Bimbo. Sauf que une bimbo, évidemment, hein, vous connaissez, hein. Une bimbo, c'est ça.
C'est genre une meuf en mode... une meuf en, en mode bellâtre, tu vois, un peu belle gosse, un peu peroxydée, voilà quoi. Et du coup, moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Bimbo qui me téléphone. Et en fait, je savais pas que c'était le crache-feu et je commence à répondre en mode « Salut, toi !» et tout et tout. Et du coup, on a créé un délire autour du fait que bah, j'étais tombé amoureux de Bimbo, quoi. J'ai su en voyant le titre, je me suis dit que j'avais enfin ma chance. Non, toi, on est amis pour la vie, évidemment. N'oublie pas la version fille de Bimbo. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je dois la voir, hein. Vas-y, attends. Moi, je garde tout, hein, vous savez. Hein. Tous les dessins. C'était dans HGSS Fusion. Voilà. Incroyable. Tu bats tous les records de clickbait. C'est pas du clickbait, c'est du clickbait pour ceux qui connaissent pas. J'y peux rien si tu connais pas. Tiens, on va mettre ça plutôt que le sprite de Bimbo, ce sera mieux. Voilà. Ok, allez, on va écrire. C'est parti. Eh, on a, il me faut de la musique triste. Elle est pas assez triste celle-là, attendez. Il me faut de la musique triste. Attendez, j'ai oublié que je dois faire le montage quand même. Musique triste. Ok. Attendez, il n'y a pas une musique triste là ? C'est pas triste ça. Oh, ça a l'air triste, ça. Ça a l'air bien triste, ça. Parfait. Ok. Très cher, Bimbo. Merde, attends, c'est pas... Très cher, Bimbo. Mon ami, mon amour, mon amant, mon amant, mon amour. C'est un bon début là. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre. Mais je n'en puis plus. Il faut que tu saches car oui, Bimbo, aujourd'hui il me faut te dire qu'entre nous il n'y aura plus rien. Que de l'amitié si tu la souhaites. Oh, la musique est tellement sad, c'est trop bien. C'est un malentendu. Oui, c'est ça, il a jamais compris. Il a jamais compris, mais moi j'étais en mode, tu vois, je tolérais quoi. Mon cœur est lourd et meurtri. Mais mon cœur est lourd et meurtri. En ce jour. Parfait.
La flamme entre nous s'est éteinte. Mais si je devais être honnête avec toi, et je pense que tu le mérites, je dirais que qu'elle ne s'est jamais allumée. À la base, un malentendu. Peut-être une chance qui aurait pu se concrétiser. Et qui le fut. Ah ouais, ton regard de braise n'a pas su illuminer le phare de mon cœur. Merci, merci beaucoup pour votre participation. Hein. Et pourtant, j'ai essayé. Tu as insisté et j'ai essayé. Ah ouais, une allitération. Tu l'as voulu et tu l'as eu. Mon petit cul. Non, on reste poli. J'ai essayé de succomber à la chaleur de ton contact. Tu as tout fait pour moi et je n'étais pas là. Je n'étais pas au rendez-vous de ta passion. Merci Wilderor pour ton sub. Et pourtant, quand tu jonglais avec tes bâtons. Merci Cravo pour ton sub. Quand tu jonglais avec tes bâtons, je ressentais une chose au fond de mon cœur. Mais la passion qui nous a animés a brûlé telles tes flammes, telles les flammes de ton magma. Attends, il a qui, Bimbo? Il a qui comme Pokémon? Attendez, il a qui comme Pokémon, le Crash Feu Bimbo? Il a Magmar, bah parfait. Il a Magmar, ouais. Telles les flammes de ton Magmar. Et aujourd'hui... Non. Petit à petit... Elle s'est éteinte. Faute d'oxygène. Car vois-tu, Bimbo, mon Bimbo, je me sentais étouffé par ta présence. C'est sans doute en partie à cause de tes 137 kilos.
Peut-être aussi à cause du fait que je ne cherchais pas une relation à longue durée, mais seulement de brûler dans tes bras pour quelques étreintes brûlantes. C'est incroyable. Ah ouais, sulfureuse. Je crois que t'es en gros burn-out. Non, ça va. Non, mais c'est pour vendredi prochain. Ce sera le 1er avril. C'est pas genre le meilleur jour pour faire cette vidéo. C'est un donation goal, hein, que je dois le faire de toute façon. Pour quand le live épilation? Quand je serai avec Sunday. Petit passé. Je commence à être bien, bien poilu en plus là. Merci Draki72 Bol. Merci beaucoup. Ça m'a un peu coupé, pardon. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Vas-y, c'est bien ça pour le début. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser par peur de souffrir, peut-être. Mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. Parfait. Ah mais du coup là je dis qu'elle s'est jamais allumée. Je ne dirais qu'elle ne pouvait que qu'elle ne pouvait pas qu'elle ne pouvait pas rester allumée bien longtemps. Ah ouais, parfait. Alors du coup, son regard de Brad a su illuminer le phare de mon cœur. Au départ, voilà. Au départ. Ton regard de braise a su illuminer le phare de mon cœur. J'ai essayé de faire durer cette passion. Tu as insisté, j'ai essayé. Tu l'as voulu et tu l'as eu. Oh là là. Trouver des synonymes de chaleur et ce genre de truc. Torride. Ah ouais, torride, c'est pas mal, ouais. Il faudrait qu'on le mette quelque part. Ah ouais, de ton effervescence, c'est pas mal. De ton incandescence. Ah ouais, vas-y, incandescence, allez go. Attends, ça s'écrit avec un S à la fin? Non, avec un C. Je
Je cherche d'autres inspirations. Oui. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut que j'explique les raisons. Une fois ton ardeur épuisée, je restais éveillé dans la nuit et je me demandais, est-ce la bonne solution pour réparer les brisures de mon cœur que j'ai subies dans le passé? À vouloir jouer avec le feu, tu t'es brûlé les doigts. Ah ouais, faut qu'on note ça. Non mais avec le feu, je me suis brûlé les doigts plutôt. Un sentiment plus doux qui aurait pu conduire à un véritable amour. Ah, attends, le sentiment plus doux qui aurait pu conduire à un véritable amour, je ne l'ai jamais ressenti. En fait, à vouloir jouer avec le feu, je me suis brûlé les doigts. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Nous aurions pu essayer nous installer ensemble, faire des projets et peut-être vieillir ensemble. Oh, la musique est incroyable! Attends, celle-là, il faut que je la mette dans la vidéo. Comment elle s'appelle? Attends, 43. Xenoblade Chronicles Definitive Edition Main Theme. Ok, il me le faut. Elle est parfaite cette musique. Nous aurions pu essayer de nous installer ensemble, faire des projets et peut-être vivre ensemble. Ouais. Après, il faudra qu'on mette le micro. Attendez. Je crois qu'il faudra que je redémarre. Je crois qu'il va falloir que je redémarre pour mettre le voice mode. Parce que j'aimerais bien mettre un truc un peu émotionnel sur le voice mode. Genre un petit écho, vous voyez? Bon, on verra après. Ah, mais c'est parce qu'il y a une mise à jour. Attends, peut-être ça marchait pas pour ça. Putain, il y a tellement de mises à jour à chaque fois, c'est trop chiant. C'est pas des petites mises à jour en plus. Et à chaque fois, il faut que je réinstalle le truc. En vrai, c'est trop chiant ce logiciel. Pourtant, j'ai payé, hein. Et il faut que je me reconnecte à chaque fois, je crois. C'est vraiment infernal. C'est bon là?
Quel enfer. Ah non, c'est bon, je suis connecté quand même. Mais le problème, c'est que là, ça va pas marcher. Je vais voir si ça marche, si je le mets là. Allô? Ah, ça marche, ça marche. Ok. Donc là, normalement, si je fais ça... Là, vous entendez ma voix modifiée, c'est ça? Ça a marché, là, on est d'accord. Oui, ça a marché, d'accord. Donc, il faudra qu'on se mette une voix genre... une voix genre... genre avec des échos, un peu. Après, je crois que tu peux créer ta propre voix. Faudra qu'on voit après. Bon, on finit la lettre, d'abord. On finit la lettre. Faut être méthodique. Tiens, je vais rajouter... écrire la lettre. Faire une voix. Voilà. Lire la lettre, ok. Cette musique est chiante, par contre. Bon, c'est bientôt fini. Ok. Nous aurions pu essayer... Non, mais ça me brise mon mood, là. Bon, c'est fini, de toute façon. C'était quoi, ce truc horrible, là? C'était Earthbound. Bah, c'était terrible. Ah, parfait, ça semble mieux, là. Ok. Nous aurions pu essayer de nous installer ensemble, faire des projets et peut-être vivre ensemble. Mais tu vivais trop dans le présent. Pendant que je m'accrochais au passé. Ce qui nous a empêchés. De vivre le futur. Non, attends. De préparer le futur. Oh, c'est incroyable! Oh là là, c'est fou ce que je viens d'écrire, là! On dirait du Baudelaire, au moins. Parfait. La routine, tu la refusais. Et pourtant, c'est le quotidien et la normalité de ce dernier qui permet de vivre des moments intenses. Mais tu ne le comprenais pas. Chaque jour devait être une occasion incroyable. Et je me suis fatigué. Je me suis fatigué. Mais putain, j'arrive pas à écrire. Je me suis fatigué de tes lubies, de tes passions qui changeaient du jour au lendemain. Je voulais juste rester à tes côtés et profiter de toi. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Ah, et frivole, c'est joli. Tu étais trop frivole, Bimbo. Toutes ces raisons me pousse aujourd'hui à te quitter, à t'adresser cette lettre de rupture. J'espère que nous pourrons rester les joyeux amis que nous avons été.
que nous pourrons rester les joyeux amis que nous avons été. Je te souhaite de trouver chaussures à ton pied. Je te souhaite de trouver... Attends, il n'y a pas une... On pourrait pas faire une expression, mais avec le feu. Chaussure à ton pied. Genre... boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes. Cendrier à ta cigarette. Steak à ta cuisson. Flamme à ta torche. Flamme à ta torche, c'est pas mal, ouais. Flamme à ta torche. Je te souhaite de trouver flamme à ta torche. Et j'espère que tu sauras me pardonner. Ce n'est pas toi, Bimbo. C'est moi. Il fallait que je finisse avec un « ce n'est pas toi, c'est moi ». Torche à ta flamme fait plus de sens. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Signé. Pour une dernière fois. Ton fifou. Ton fifou. Ta petite braise. Adieu. Au revoir. Ma grande torche. Que ce que nous avons vécu. Merci Anoxens, merci beaucoup. Que ce que nous vivons aujourd'hui n'efface pas ce que nous avons vécu. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, là? Je pense qu'on est pas mal, là. Bon, maintenant, il nous faut une voix. Il nous faut une voix, maintenant. On peut créer des voix, je crois, dans ce jeu. Dans ce truc. Je crois qu'il y a custom, quelque part. Hein. Ah, ouais, voilà. Create voice. Ok. O A O I A U A I U A I A I U U I A I I I U I U U. Parfait. C'est très bizarre de s'entendre. Alors, ouf, I. Vous entendez? Vous entendez quand? Vous entendez l'écho? C'est horrible. Ok. On va mettre de la réverb. Allô? Oui. Il faut pas que ce soit trop fou. Attends. Allô? Oui? Oui. Parfait. Bimbo. C'est pas mal. Il faut juste un peu, je pense. Sinon, prends l'effet cathédrale. Ah! C'est pas mal, là. Non, regardez, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Bimbo. Je voulais te dire que je m'en vais. Ça va ou pas? Ou faut un peu plus peut-être? Vous me dites, on fait des tests. Donc ça, c'était à 9. Maintenant, on va essayer à 20. Bimbo, je voulais te dire que je m'en vais. Pas mal? Attends, il faut que j'écoute. Bimbo. Ah oui, c'est bien. Bimbo, je voulais te dire que je m'en vais.
Mon amour. Allô? 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 Oula. Bimbo. 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 Comme ça, c'est bien. Juste ça, c'est bien. Faut qu'on enregistre. Je l'ai enregistré, là. Voilà. Et il me faut un... On va mettre un bruit de pluie aussi. Faudra qu'on mettra un bruit de pluie, je pense. Ouais, ouais, un bruit de pluie sera bien. Vas-y, ok, on va aller sur Audacity. Ah oui, mais attends, sur Audacity, je sais pas s'ils vont me prendre le... attends. Comment on change le micro sur ce truc déjà? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé préférence. Ah oui, ça doit être là. Enregistrement. Ah voilà, périphérique, voilà, c'est ça, c'est bon, j'ai. Voice mode, parfait. On va voir si ça marche. Bimbo, c'est un test de son que je fais aujourd'hui. Bimbo, c'est un test de son que je fais aujourd'hui. Parfait, ça marche. Ok, donc maintenant on enregistre. Ok. Il me faut une musique triste, il faut que je remette une musique triste. Alors c'était laquelle? C'était celle-là. Hein. Vous allez l'entendre, mais ça va pas être enregistré en fait. Mais c'est juste pour moi, pour être dans le mood. Je me mets face au micro en mode ASMR. Et c'est parti. Désactive les subs. Non, mais il y aura... les subs vont pas... Enfin, là, c'est juste le micro, t'inquiète pas. Oh, la musique est là. Je mets le son plus fort pour moi. C'est parti. Très cher Bimbo, mon ami, mon amant, mon amour. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre, mais je n'en puis plus. Il faut que tu saches. Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. Car oui, Bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre nous, il n'y aura plus rien que de l'amitié, si tu la souhaites. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser, par peur de souffrir peut-être, mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. La flamme entre nous s'est éteinte, et si je devais être honnête, je pense que tu le mérites. Je dirais qu'elle ne pouvait pas rester allumée bien longtemps. À la base, un malentendu peut-être, une chance qui aurait pu se concrétiser et qui le fut. Au départ, ton regard de braise a su illuminer le phare de mon cœur. J'ai essayé de faire durer cette passion. Tu as insisté et j'ai essayé. Tu l'as voulu et tu l'as eu. J'ai essayé de succomber à la chaleur de ton contact. Tu as tout fait pour moi et je n'étais pas au rendez-vous de ton incandescence. Et pourtant, quand tu jonglais avec tes bâtons, je ressentais une chose au fond de mon cœur. Mais la passion qui nous a animés a brûlé telles les flammes de ton magma. Petit à petit, elle s'est éteinte faute d'oxygène. Car vois-tu, Bimbo, mon Bimbo, je me sentais étouffé par ta présence. C'est sans doute en partie à cause de tes 137 kilos
Peut-être à cause du fait que je ne cherchais pas une relation à longue durée, mais seulement de brûler dans tes bras pour quelques étreintes sulfureuses. Une fois ton ardeur épuisée, je restais éveillé dans la nuit et je me demandais « Est-ce la bonne solution pour réparer ?»« Est-ce la... Merde. »« Est-ce la bonne solution pour réparer ?» Ok. Attends. Oui. Est-ce la bonne solution pour réparer les brisures de mon cœur que j'ai subies dans le passé? Le sentiment plus doux qui aurait pu conduire à un véritable amour, je ne l'ai jamais ressenti. En fait, à vouloir jouer avec le feu, je me suis brûlé les doigts. Nous aurions pu essayer, nous installer ensemble, faire des projets et peut-être vieillir ensemble. Mais tu vivais trop dans le présent pendant que je m'accrochais au passé, ce qui nous a empêchés de préparer le futur. La routine, tu la refusais. Et pourtant, c'est le quotidien et la normalité de ce dernier qui permet de vivre des moments intenses. Mais tu ne le comprenais pas. Chaque jour devait être une occasion incroyable. Et je me suis fatigué. Je me suis fatigué de tes lubies, de tes passions qui changeaient du jour au lendemain. Je voulais juste rester à tes côtés et profiter de toi. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Tu étais trop frivole, bimbo. Toutes ces raisons me poussent aujourd'hui à t'adresser cette lettre de rupture. J'espère que nous pourrons rester les joyeux amis que nous avons été. Je te souhaite de trouver torche à ta flamme et j'espère que tu sauras me pardonner. Ce n'est pas toi, bimbo. C'est moi. Signé, pour une dernière fois, ton fifou, ta petite braise. Au revoir, ma grande torche. Que ce que nous vivons aujourd'hui n'efface pas ce que nous avons vécu. Incroyable ! Oh, la qualité, là. Ah, on était sur du bien, là. Okay, on exporte l'audio. Ok. Maintenant, on va mettre ça sur mon logiciel de montage. Ah oui, attendez, je vais peut-être enlever l'écho. C'est bon là, vous m'entendez normalement? Normalement, oui. Ok, alors. Donc, on va mettre le son. Alors, combien de temps ça dure? Ça dure 3 minutes 33. Alors, voyons voir ce que ça donne. Très cher Bimbo, mon ami, mon amant, mon amour. Allez, hein, j'ai écrit des dizaines de versets de cette lettre et je n'en puis plus. Il faut que tu saches. Oh non, ça a bugué ? Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. Car oui, Bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre nous, il n'y aura plus rien que de l'amitié, si tu la souhaites. Ok, j'ai un stylo. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser, par peur de souffrir peut-être, mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. En plus, regardez. La flamme entre nous s'est éteinte. Ok, donc il faut qu'on mette la musique pour que je sois dans le mood. Donc comment ça s'appelle? Ça s'appelle Main Theme Xenoblade Chronicles. Ok, alors attends. Il a un cahier cul. Bah oui, je m'appelle Quentin. C'est ça. Alors, MP3, download. Par contre, je crois que c'est ça va pas être assez long de pile poil, c'est un peu chiant. Ah, fiche. Ah si, attends. Oh, ça passe pile poil, je crois.
Trop bien, trop stylé, parfait. Oh là là, regardez, eh, la chanson est faite pour avoir été faite avec mon truc. Ok. Très cher Bimbo. Très cher Bimbo. Attends, il faut commencer un peu après le truc. Il faudrait que ça commence là, là. Ok. Très cher Bimbo. Ah, parfait. Mon ami. Parfait. Mon amant. Mon amour. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre. Parfait, ok. Alors là, on est pas mal. Et comment ça finit, du coup? Ma grande torche. Que ce que nous vivons aujourd'hui n'efface pas ce que nous avons vécu. Signé, pour une dernière fois, ton fifou, ta petite braise. On va supprimer ça. Au revoir, ma grande torche. Ok, on va supprimer la fin parce que ça colle parfaitement avec la musique de finir là. Ok. Attends, on va sauvegarder, comme ça c'est pas perdu si j'ai un problème. Bimbo. Ok. Donc là, on a la voix. Donc maintenant, il faut qu'on fasse l'enregistrement du truc. Alors. Donc on va... Il faudrait que je m'habille un peu bien. Il faudrait que j'aille chercher genre une chemise ou je sais pas quoi. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en fond, du coup, on va mettre ça. Faut que j'enlève ça. Et faut que j'aille me chercher une chemise. Attendez, j'arrive. Hop, attendez, je mets la chemise. Ok. J'arrive. La blouse de docteur. Mais arrête, c'est Sunday qui me l'a offerte. Je pouvais pas dire que c'est une blouse de docteur. Oh, je peux l'ouvrir comme ça. Oh, je peux l'ouvrir là, sur le torse. Ah oh, ouais, parfait. Oh, parfait. Ah oui, ah oui. Alors attends, et puis alors avec le stylo là. Attends, il est tombé. Il est où mon stylo? Ah, il est là. Comme ça. Ok, vas-y. Il faut que je fasse plusieurs expressions en fait. Ok. Écrire vraiment, ça donnera du réalisme. Mais c'est mon cours de japonais. Je me mets sur la dernière page. Ok, comme ça. Ah merde, oh non, il y a le fond vert sur ce truc. C'est bon, j'en ai un noir. Ok. Et bourrif tes cheveux. Ah bon, j'ai pas beaucoup de cheveux.
Ok. Oui, le problème, c'est que j'entends pas. Alors, il faut pas que vous subiez pendant le truc, parce que sinon, c'est chiant. Alors, attendez les 3 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Xfit. C'est parti. Du coup, go. Je vais faire plusieurs positions, en fait. Et on fera des vieux... vous allez voir, ça va être marrant. Ok. Alors, le premier truc qu'on va faire... Alors, je vais démarrer l'enregistrement, ok. Le premier truc qu'on va faire, c'est la position pensive. Ok, maintenant il nous faut un truc comme ça. Ok, parfait. T'as un truc sur ta tempe gauche. Hein? Ah oui, j'ai un petit... Oh non, j'avais un petit truc. J'avais un petit bout de papier. C'est pas grave. Faut que je pleure. Ok. Ensuite, ok, il faut que j'écrive un peu plus. Ah oui, dans une autre position, j'écris. C'était pas mal ça. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était l'acteur. C'était l'acteur studio là. Ouais, on va faire ça en slow motion. Ouais. Ok. Vas-y. Maintenant, il faut un truc genre comme ça. Ça, c'était la, ça, c'était la douleur. Ça, c'était la douleur. Il nous en faut d'autres. Vas-y, une autre écriture, mais encore un autre angle. Comme ça. Et là, j'écris sur ma jambe. Sur ma jambe. Ah oui, sur ma jambe. Parfait. Là, je m'énerve un peu, là. Là, c'est full, c'est dur. C'est, voilà, c'est l'écrivain torturé, comme on dit, ouais, c'est ça. Non, mais ça va, le cahier va bien, il est solide, il est embourré. Ouais, après, on va voir la musique, ça va être incroyable. Et une petite dernière, la délivrance.
Et là, je mettrai le fondu enchaîné, là. Ça, c'est la fin, ça. Bon, je pense qu'on est pas mal, là. Ok. Vas-y. Donc, maintenant, on a ça. Alors. On va dans les vidéos et on prend, du coup, ceci. On va couper ça, évidemment. Ah oui, j'ai un petit... du coup, dégrouper les clips. On supprime le son, on n'en veut pas. Ok. Maintenant, il faut qu'on isole les moments. Faut qu'on isole les moments. Ok, alors attends. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un slow-mo dessus. Je propose un slow-mo de... Allez, de 20%. Parfait. Ça donne un petit côté un peu laggy, là. Ah merde, la scène. Pardon, excusez-moi. J'avais oublié. Là, du coup, j'ai mis un petit... Ok, parfait. Ok, donc c'est parti. Maintenant... On va couper les extraits. Donc, premier extrait. La réflexion. L'écriture. Ouais, ça, on va pas mettre, du coup, par exemple. Ok. Extrait numéro 1. Ok, maintenant, extrait numéro 2. Ok, très bien. Ah ouais, nouvelle position, très bien. Est-ce qu'on va avoir assez? Oui, ça devrait aller quand même. Ok, donc ça, c'est la difficulté de l'écriture. Ça, c'est la difficulté d'écrire, ça. Ok, donc ça, c'est la difficulté d'avouer ses sentiments. Parfait. La nouvelle position. Parfait. Ça c'est dur, ça. Ça c'est le moment difficile, ça. Et je sais pas si ça va suffire, hein. Parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pensez que ça suffit ou pas? Il faut que je les allonge un peu plus. Mais ça va, je vais les allonger un peu plus. Vas-y, je vais mettre ça. Je mets à 74 celui-là. Ceux qui sont un peu courts, je les mets à 74. Voilà. Merci beaucoup pour ton sub, la Flakia. Donc celui-là, je le mets à 74. Pourquoi ça ne me met pas le truc? Pourquoi ça ne me met pas la valeur là? C'est...
Merde. Attends. On met comme ça devrait aller. Ok, là on est bien ou pas? Pratiquement, ouais. Ok. Alors, on va juste rallonger un tout petit peu celui-là. Voilà. Bah après en vrai on peut tous les rallonger à 75 en vrai. Hein. Ce sera un peu plus propre. Vas-y, on les met tous à 75. Comme ça, on a de la marge. Je sais pas trop ce qui branle là. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, ils sont tous plus ou moins à 75. Donc là, j'ai la bonne durée. Et maintenant, il faut qu'on mette des... faut qu'on mette des... faut qu'on mette des... comment ça s'appelle? Des... des fondus enchaînés. Donc, tac. On va les faire se chevaucher chacun un peu. Technique un peu de merde pour faire des fondus enchaînés, mais bon, ça marche bien en vrai. Ok, bah du coup, c'est parfait, ça finit pile poil. Donc là, du coup, on fait tac. Yep. Fade in. Fade out. Petite technique à la con, mais bon, ça marche bien. Tac. Fade in, fade out. Fade in, fade out. Fade in, fade out. Fade in. Fade out. Ok. Bon bah écoutez, on va voir. Hein. Attention, test. Très cher Bimbo, mon ami, mon amant, mon amour. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre, mais je n'en puis plus. Il faut que tu saches. Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. Car oui, Bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre nous, il n'y aura plus rien que de l'amitié, si tu la souhaites. C'est génial! Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser. Par peur de un peu trop rapide peut-être. Le fondu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut un fondu un peu plus lent. En fait, il faut qu'on attends. On va ralentir à 60 à chaque fois. Et on va faire des très 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 longs des très très longs Et on va faire des très 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 longs fade. Ce sera encore plus drôle de faire ça. Ah merde, j'avais pas vu que là, de toute manière, je faisais de la merde. Ok. Ok, bah parfait. Ok. Donc c'est parti. On tente en mode le cheese ultime, ok. On cheese au maximum. On met le fade in, fade out le plus long de la Terre. Voilà, 5 secondes de transition à chaque fois. Parfait. Ok, on essaye. Très chier. Ok. Très cher Bimbo, mon ami. Oh, c'est encore mieux. Mon amant. Mon amour. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre,
mais je n'en puis plus. Il faut que tu saches. Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. Car oui, Bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre c'est trop nous, bien, c'est parfait. Il n'y aura plus rien que de l'amitié, si tu la souhaites. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser, par peur de souffrir peut-être, mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. La flamme entre nous s'est éteinte. Et si je devais être honnête, je pense que tu le mérites. Je dirais qu'elle ne pouvait pas rester allumée bien longtemps. À la base, un malentendu peut-être, une chance qui aurait pu se concrétiser et qui le fut. Au départ, ton regard de braise a su illuminer le phare de mon cœur. J'ai essayé de faire durer cette passion. Tu as insisté et j'ai essayé. On voit que j'écris rien, tu ça l'as voulu ouf. Et tu l'as eu. J'ai essayé de succomber à la chaleur de ton contact. Tu as tout fait pour moi et je n'étais pas au rendez-vous de ton incandescence. Et pourtant, quand tu jonglais avec tes bâtons, je ressentais une chose au fond de mon cœur. Mais la passion qui nous a aimés a brûlé telle les flammes de magma. Petit à petit, elle s'est éteinte faute d'oxygène. Mon Bimbo, je me sentais étouffé par ta présence. On baissera le son, on va baisser le son de la musique. Sans doute en partie à cause musique de la musique. Peut-être à cause du fait que tu ne cherchais pas une relation à l'intérêt, mais seulement de brûler dans tes bras. J'ai envie de laisser la musique trop forte. J'ai presque envie de laisser la musique trop forte, mais bon. Vas-y, attends. Ce serait trop marrant de laisser la musique trop forte en mode on n'entend rien, tu sais. Ce serait tellement drôle. Mais bon, non, on va pas faire ça. Il faut qu'on entende quand même. Vas-y, du coup, il faut qu'on baisse à 2. Vas-y, on va... Mais il faut que ça reste fort. Il faut que ça reste bien fort quand même, tu vois. Épuisé, je restais éveillé dans la nuit. Et je me demandais... Est-ce la bonne solution pour réparer les brisures de mon cœur que j'ai subies dans le passé? Le sentiment plus doux qui aurait pu conduire à un véritable amour, je ne l'ai jamais ressenti. En fait, à vouloir jouer avec le feu, je me suis brûlé les doigts. Nous aurions pu essayer... Nous installer ensemble, faire des projets et peut-être vieillir ensemble. Mais tu vivais trop dans le présent pendant que je m'accrochais au passé, ce qui nous a empêchés de préparer le futur. La routine, tu la refusais. Et pourtant, c'est le quotidien et la normalité de ce dernier qui permet de vivre des moments intenses. Mais tu ne le comprenais pas. Chaque jour devait être une occasion incroyable et je me suis fatigué. Je me suis fatigué de tes lubies, de avec tes passions qui changeaient du jour au lendemain. Déconne. Je voulais juste rester à tes côtés et profiter de toi. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Tu étais trop frivole, Bimbo. Toutes ces raisons me poussent aujourd'hui à t'adresser cette lettre de rupture. J'espère que nous pourrons rester les joyeux amis que nous avons été. Je te souhaite de trouver torche à ta flamme et j'espère que tu sauras me pardonner. Ce n'est pas toi, Bimbo. C'est moi. Signé, pour une dernière fois, ton fifou, ta petite braise. Au revoir, ma grande torche. Il faut qu'on voit Bimbo quelque part. Ouais, on peut, attends. Mais je vais mettre le sprite tout à la fin, genre. Ta petite braise. Au revoir, ma grande torche. Attends, genre comme ça. Signé,
pour une dernière fois, ton fifou, ta petite braise. Au revoir, ma grande torche. Parfait. Alors, attends, il reste un petit effet à rajouter. Ok. Parce que l'eau éteint la flamme, tu vois. Est-ce qu'on met du thunderstorm aussi? Je sais pas si on met du thunderstorm aussi. Je dirais juste de la pluie, non? Ouais, juste la pluie, hein, c'est ça. Hein. Okay. Ça marche pas les moins? Non, ça marche pas. Thunder... Gentle Night Rain, attends. Parfait, 3 heures. Parfait. Avec des flashbacks? Non, je sais pas trop si j'ai envie de mettre des flashbacks. Je le mets juste à la fin, tu vois. Je le mets juste à la fin, c'est suffisant, je pense. Ok. Tac, tac. Insérer une piste. Under. Audio. Donc ça, il faut pas que ce soit trop fort. Hein. Voyons voir. Car oui, bimbo, aujourd'hui. Ok, donc il faut vraiment pas que ce soit trop fort. A3, on va mettre... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? On va mettre en moins 15, je pense, quand même. Moins 18. On regarde, attendez, on regarde. Très cher bimbo. Mon ami. Merci les brandes pour ton sub. Mon amant. Faut qu'on l'entende, mais pas trop. On l'entend pas là. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre. Ah oui, comme ça. Mais je n'en puis plus. Parfait là, parfait. Il faut que tu saches. Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. C'est parfait là. Car oui, bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre nous, il n'y aura plus rien que de l'amitié. Merci beaucoup, Rebrand, si pour ton sub. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser, par peur de souffrir peut-être, mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. La flamme entre nous s'est éteinte. Et si je devais être honnête, je pense que tu le mérites. Je dirais qu'elle ne pouvait pas rester allumée bien longtemps. À la base, un malentendu peut-être, une chance qui aurait pu se concrétiser et qui le fut. Au départ, ton regard de braise a su illuminer le phare de mon cœur. J'ai essayé de faire durer... Parfait. Il faudrait qu'on ait le moment où je lance le truc. C'est là, hein, c'est dans celui-là que je lance, c'est ça? Je voudrais qu'on me voie lancer, voilà, je voudrais qu'on me voie lancer. Voilà.
voulais qu'on me voie lancer le truc. Est-ce qu'on va me voir là? Je voulais juste rester à tes côtés et profiter de toi. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Tu étais trop frivole, Bimbo. Toutes ces raisons me poussent aujourd'hui à t'adresser cette lettre de rupture. Attends. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Tu étais trop. Faut qu'on le voit, mais tout à la fin. Voilà, si, 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 c'est bon, on voit. Attends. Rester à tes côtés et profiter de toi. Si, si, on voit, on voit. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Si, si, on voit là. Tu étais trop frivole, Bimbo. Toutes ces raisons me poussent. Si, on voit, genre juste avant que je. Aujourd'hui, à t'adresser cette lettre. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre là? Qu'est-ce qu'il nous... On est bon là en vrai. Lettre de rupture. J'espère que nous pourrons rester les joyeux amis. Maintenant, il faut faire le rendu. Il faut voir ce que ça donne. Hein. On va voir. On va voir ce que ça donne. Faudrait le message du talent Drizzle. Bah pourquoi? Bah non, quoi? Je... Hein? Pourquoi? Écoute la fin. Ouais, non, mais je pense que c'est bon, là. On va voir... En fait, le truc, c'est que quand tu écoutes sur le logiciel de montage, tu sais, ça lag toujours un peu, donc je vais écouter en mode rendu pour voir. Faudrait un petit filtre terne. Oh, je sais pas, je le trouve assez sobre, le fond. Fidron, Drizzle... Ben non, mais je comprends pas, c'est pas du tout le thème. Je comprends pas. Mais des cris de Pokémon O. Non mais les mecs, c'est une lettre de rupture, c'est pas fait pour être drôle. Enfin c'est fait pour être drôle, mais drôle au second degré, et pas drôle au premier degré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours comme ça tes montages, c'est-à-dire... Ok. Voyons voir. Très cher Bimbo, mon ami. C'est parti. Mon amant. Mon amour. Je coupe. J'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre. Et je n'en puis plus. Il faut que tu saches. Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. Car oui, Bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre nous, il n'y aura plus rien que de l'amitié, si tu la souhaites. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. J'ai essayé de te repousser, par peur de souffrir peut-être, mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. La flamme entre nous s'est éteinte. Et si je devais être honnête, je pense que tu le mérites. Je dirais qu'elle ne pouvait pas rester allumée bien longtemps. À la base, un malentendu peut-être, une chance qui aurait pu se concrétiser et qui le fut. Au départ, ton regard de braise a su illuminer le phare de mon cœur. J'ai essayé de faire durer cette passion. Tu as insisté, et j'ai essayé. Tu l'as voulu, et tu l'as eu. J'ai essayé de succomber à la chaleur de ton contact. Tu as tout fait pour moi, et je n'étais pas au rendez-vous de ton incandescence. Et pourtant, quand tu jonglais avec tes bâtons, je ressentais une chose au fond de mon cœur. Mais la passion qui nous a animés a brûlé telles les flammes de ton magma. Petit à petit, elle s'est éteinte faute d'oxygène. Car vois-tu, Bimbo, mon Bimbo, je me sentais étouffé par ta présence.
c'est sans doute en partie à cause de tes 137 kilos. Peut-être à cause du fait que je ne cherchais pas une relation à longue durée. Essayant de brûler dans tes bras pour quelques étoiles. On m'entend à peine, c'est génial. Une fois, l'ardeur épuisée, je restais éveillé dans la nuit et je me demandais, est-ce la bonne solution pour réparer les brisures de mon cœur que j'ai subies dans le passé? Le sentiment plus doux qui aurait pu conduire à un véritable amour, je ne l'ai jamais ressenti. En fait, à vouloir jouer avec le feu, je me suis brûlé les doigts. Nous aurions pu essayer, nous installer ensemble, faire des projets, et peut-être vieillir ensemble. Mais tu vivais trop dans le présent pendant que je m'accrochais au passé, ce qui nous a empêchés de préparer le futur. La routine, tu la refusais. Et pourtant, c'est le quotidien et la normalité de ce dernier qui permet de vivre des moments intenses. Mais tu ne le comprenais pas. Chaque jour devait être une occasion incroyable. Et je me suis fatigué. Je me suis fatigué de tes lubies, de tes passions qui changeaient du jour au lendemain. Je voulais juste rester à tes côtés et profiter de toi. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Tu étais trop frivole, Bimbo. Toutes ces raisons me poussent aujourd'hui à t'adresser cette lettre de rupture. J'espère que nous pourrons rester les joyeux amis que nous avons été. Je te souhaite de trouver torche à ta flamme et j'espère que tu sauras me pardonner. Ce n'est pas toi, Bimbo, c'est moi. Signé, pour une dernière fois, ton fifou, ta petite braise. Au revoir, ma grande torche. Ah, parfait, là. Parfait. Parfait, il n'y a rien à changer, là. Il n'y a rien à changer. On va uploader ça. On va mettre ça sur YouTube. Hein. On va mettre ça sur YouTube. Hein. On met ça direct. Il y a... On est nickel, là. Faut pas qu'il y en ait trop, tu vois. Maintenant, c'est quoi le titre? C'est le 1er avril, donc c'est quoi le titre le plus putaclic? C'est fini. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Non mais pas je quitte YouTube. J'arrête tout avec toi. Vas-y, on va faire des votes. Alors attends. On va faire des votes. On va faire un vote. Vas-y. Vous allez m'aider à choisir le titre le plus dégueulasse putaclic. Alors attends. Quel titre? C'est fini entre nous. C'est la fin. Adieu. Non, au revoir. Juste au revoir. Ma rupture. Ma rupture, c'est violent aussi. Hein. Vas-y, go. Go voter. Je vous laisse voter. Ça se joue entre C'est la fin et Ma rupture. C'est la fin et au revoir, ça fait trop je quitte YouTube. C'est vrai. Là au moins, ma rupture, c'est bien parce que... Vous allez, on va faire un deuxième tour. On va faire un deuxième tour. En mode, il n'y a pas eu de 50%. Ok, vas-y, on refait entre ma rupture et c'est la fin, vas-y. Ok. Je voulais choisir. C'est vous qui choisissez. Ah merde, il n'y a plus ma cam. Hop, c'est bon.
Pourquoi pas notre rupture? Bah ma rupture, c'est pas mal, hein. Et genre je mets quoi en thumbnail? Bon, vous votez pour ma rupture de toute manière. Juste un fond noir. Une image triste de toi en noir et blanc. Sinon, je mets un thumbnail noir. Bon, vous allez être spoil de mes prochaines miniatures, je pense, mais... Merde, attends. Qu'est-ce que j'ai branlé? Vas-y, je fais un peu de tri, comme ça, tac, tac. Ok, on fait genre un fond noir. Fond gris plutôt, comme ça, ça se démarque un petit peu. Ah oui, les trois petits points, c'est pas mal, ouais. On va mettre trois petits points. Comme ça, hein. C'est important de laisser la police que j'utilise d'habitude parce que sinon vous n'allez pas capter que c'est moi. Est-ce qu'on met c'est fini entre nous comme ça ou est-ce qu'on met c'est fini entre nous? Ouais, ça rend moche. Ouais, comme ça, hein. C'est fini entre nous. Rupture, la fin. Bimbo. Catégorie jeux vidéo. On va mettre actualité et politique. Vas-y, on monétise. Ça me donne envie de pisser ce bruit de pluie. Elle est parfaite la miniature en vrai. Très cher Bimbo, mon ami, mon amant. Mon amour, j'ai écrit des dizaines de versions de cette lettre, mais je n'en puis plus.
Il faut que tu saches. Mais mon cœur est lourd et meurtri en ce jour. Car oui, Bimbo, aujourd'hui, il me faut te dire qu'entre nous, il n'y aura plus rien que de l'amitié, si tu la souhaites. Au début, pourtant, j'y ai cru. La chaleur de tes appels réchauffait mon cœur brisé par mon passé amoureux. On est bien là. J'ai essayé de te repousser, par peur de souffrir peut-être, mais à force d'insistance, tu as ouvert la porte de mes sentiments. La flamme entre nous s'est éteinte. Et si je devais être honnête, je pense que tu le mérites. Je dirais qu'elle ne pouvait pas rester allumée bien longtemps. À la base, un malentendu peut-être, une chance qui aurait pu se concrétiser et qui le fut. Au départ, ton regard de braise a su illuminer le phare de mon cœur. J'ai essayé de faire durer cette passion. Tu as insisté et j'ai essayé. Tu l'as voulu et tu l'as eu. J'ai essayé de succomber à la chaleur de ton contact. Tu as tout fait pour moi et je n'étais pas au rendez-vous de ton incandescence. Et pourtant, quand tu jonglais avec tes bâtons, incroyable. Je ressentais une chose bon, au fond bah, de mon cœur. Bon, je pense que c'est bien, on a fait une bonne vidéo. Mais là. La passion qui nous a animés a brûlé telles les flammes de ton magma. Petit à petit, elle s'est éteinte faute d'oxygène. Car vois-tu, Bimbo, mon Bimbo. Je remets mon t-shirt en attendant. Je me sentais étouffé par ta présence. C'est sans doute en partie à cause de tes 137 kilos. Non, je vais pas porter peut-être ma fait que je ne cherchais pas une relation à longue durée. Et seulement de brûler dans tes bras pour quelques instants. Merci Wax pour le sub, 13e mois, GG, merci beaucoup. Une fois ton ardeur épuisée, je restais éveillé dans la nuit et je me demandais, est-ce la bonne solution pour réparer les brisures de mon cœur que j'ai subies dans le passé? Le sentiment plus doux qui aurait pu conduire à un véritable amour, je ne l'ai jamais ressenti. En fait, à vouloir jouer avec le feu, je me suis brûlé les doigts. Nous aurions pu essayer nous installer ensemble, faire des projets, peut-être vieillir ensemble. Mais tu vivais trop dans le présent pendant que je m'accrochais au passé, ce qui nous a empêchés de préparer le futur. La routine, tu la refusais. Et pourtant, c'est le quotidien et la normalité de ce dernier qui permet de vivre des moments intenses. Mais tu ne le comprenais pas. Chaque jour devait être une occasion incroyable et je me suis fatigué. Je me suis fatigué de tes lubies, de tes passions qui changeaient du jour au lendemain. Je voulais juste rester à tes côtés et profiter de toi. Pas partir chaque week-end à l'aventure. Tu étais trop frivole, Bimbo. Toutes ces raisons me poussent aujourd'hui à t'adresser cette lettre de rupture. J'espère que nous pourrons rester les joyeux amis que nous avons été. Je te souhaite de trouver torche à ta flamme et j'espère que tu sauras me pardonner. Ce n'est pas toi, Bimbo. C'est moi. Signé, pour une dernière fois, ton fifou, ta petite braise. Au revoir, ma grande torche. Parfait. Bon, et ben parfait. Et ben écoutez, super. C'était très marrant comme live. J'ai beaucoup aimé faire ça. Donc, voilà. C'est fini. Je vais m'arrêter là, du coup. Je vais m'arrêter là parce que c'était pas vraiment prévu que je fasse plus que ça en live aujourd'hui. On se retrouve à 21h pour du Sea of Thieves avec Maj et Ico. Donc des gros bisous. Et puis voilà. À bientôt les gars. À 21h tout à l'heure. Tchou tchou.